Factory Studio. C'est-à-dire, le secrétaire général n'a pas dit que la marche sera le 10. Pour une précision, le secrétaire général a dit que le 10 sera le point culminant de toutes les activités, de toutes les actions. Mais les actions commencent dès maintenant. Donc aujourd'hui, comme le peuple s'est pris en charge aujourd'hui, les actions commencent maintenant. Mais le 10, ça sera le point culminant. Nous, nous commençons aujourd'hui, demain encore, après demain, que la population se prenne en charge. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à changer. Mais ce Kabila est illégitime. La seule source qui a donné à Kabila la légitimité, c'est l'accord du 31. Ignorer cet accord, minimiser cet accord, c'est remettre en cause aussi sa légitimité. Puisqu'il veut tester avec les ballons d'essai pour voir la colère de la population. Nous disons à M. Kabila ceci. En 2015, le président Tshisekedi n'était pas à Kinshasa, mais le peuple était dans la rue pendant une semaine. Que M. Kabila et sa famille politique ne pensent pas qu'avec la disparition du président Tshisekedi, nous allons nous fatiguer, il n'y aura pas d'action. Qu'il se trompe. Nous prenons en charge dès maintenant jusqu'au départ de M. Kabila. Et il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Et nous lançons un appel à toutes les sensibilités des jeunes, à l'intérieur comme à l'extérieur, de Kinshasa, de partout, de se prendre en charge. La jeunesse, c'est la force. Une jeunesse consciente est plus forte qu'une bombe atomique. Raison pour laquelle nous lançons ce message à quiconque, que M. Kabila le prenne au sérieux. Nous n'allons plus négocier avec lui s'il ne veut pas respecter l'accord du 31 décembre. Et nous connaissons la stratégie de M. Kabila. Kabila avait tiré les choses à la longueur pour nous amener à un faux référendum. Nous disons qu'il essaye avec ça, il va nous rencontrer sur son chemin. Vous avez l'habitude de dire, nous allons nous... Qui vivra verra. Oui. Puisque vous voulez connaître la stratégie. Et la stratégie n'a été jamais dévoilée à la presse. Voilà. Mais qui vivra verra. Merci. Mais non. On n'est pas énervé. C'est-à-dire, on exprime tout simplement le mécontentement de la base par rapport à l'injure de M. Kabila face à la population congolaise. C'est-à-dire, il y a eu la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. Cet accord a calmé les esprits. M. Kabila aujourd'hui veut essayer de retarder le processus en lançant le ballon d'essai. Raison pour laquelle aujourd'hui, à la résidence du Sphinx, celui qui nous a formés plus de 35 ans, nous lançons le message à M. Kabila et à toute sa famille que les actions commencent dès maintenant. Le 10 n'est qu'un point culminant de toutes les actions. Mais nous commençons dès maintenant pour emboîter. Tels qu'ils sont en train de préparer leur déclaration. Mais en tant que jeunesse, nous, on a commencé aujourd'hui et ça sera pour demain. 3, 4, 5 jours, on va continuer. Parce que M. Kabila a montré clairement qu'il n'a pas cette volonté-là de vouloir signer pour qu'on puisse décanter la situation. Nous, de notre part, la jeunesse, on a pris notre conscience et nous savons ce que nous allons faire et vous allez suivre ça d'ici là, comment est-ce que nous allons nous comporter par rapport aux actions. Est-ce que vous allez aboutir ça? Est-ce que vous allez aboutir où? Parce que demain et après demain, vous allez... Déchasser Kabila, coûte que coûte, on doit les chasser parce que il est illégal, il est illégitime depuis le 20 décembre. Et lui, ce qu'il veut, il veut contourner les accords de Saint-Sylvestre. Et nous, on a compris, c'est notre accord, c'est un accord qui concerne uniquement le peuple. C'est pour cela que nous avons pris cette conscience-là de vouloir les chasser pour de bon, parce qu'il n'a pas la volonté d'aider ce pays. Vous allez vous mesurer avec les armes? Pardon? Vous allez vous mesurer avec les armes? Ne crois pas que si quelqu'un a une arme, ça veut dire qu'il est plus fort que les autres. Nous préparons. Les Kamuina Sampou ont pris aussi leur responsabilité. Ils sont en train d'utiliser toujours l'article 64. Et nous aussi, de notre côté, on va faire... C'est pour le coup pour coup. Donc eux, ceux qui veulent, ils vont préparer. Et nous aussi, de notre côté, on sait ce qu'on va faire. S'il faut prendre les armes, et le meilleur arme, c'est la conscience. Conscientiser toute la population. Et cette jeunesse-là est déjà debout. Et vous êtes là, vous entendez comment est-ce qu'ils crient là à l'extérieur. Et on est prêt pour prendre notre responsabilité. Merci beaucoup. Le CG vient de faire la communication pour le parti, pour l'UDPS.
Et je peux vous dire que tous les partis sont derrière le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kaboun. Et vous avez vu, même il y a une partie du rassemblement qui est derrière le CGN. C'est-à-dire, après avoir claqué la porte, suite au blocage, aux multiples blocages de la majorité présidentielle pour conclure l'arrangement particulier, maintenant nous nous trouvons dans l'impasse. Et vous le savez très bien que toutes les institutions de la République trouvent leur légitimité dans l'accord de la CINCO, l'accord du 31 décembre. Et aujourd'hui, en refusant de conclure l'arrangement particulier, le pouvoir se met à porte-à-faux par rapport à la population. Le pouvoir va rencontrer le peuple parce que le peuple va prendre ses responsabilités pour que ses droits puissent être respectés. Donc vous avez vu aujourd'hui, le peuple s'est mis debout. Il a commencé des actions et ça va aller crescendo jusqu'à ce qu'on puisse aboutir à l'application de cet accord. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative crédible. Même si aujourd'hui le président rappelle l'accord de la catholique de dire qu'il venait encore. Mais ce n'est pas une question que le président doit appeler ou rappeler. Le président, je vous ai dit, tire sa légitimité dans cet accord. Donc le président ne peut pas être à la fois joueur, juge et parti. Donc, les parties, les négociations sont conduites par la CINCO. C'est à la CINCO d'apprécier la suite des événements. Ce n'est pas au président. C'est comme si nous nous disions que le rassemblement dit que. Vous voyez, ça ne ça serait pas correct. Mais la base déjà dehors. Ah, mais la base veut qu'on en découdre. Hein. Dans son message du 25 décembre. Factory Studio.